enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Rafa, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. C'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous, au nom de TEDEC, qui est un collectif juif décolonial luttant pour la fin du régime de l'apartheid en Palestine et contre le racisme d'État en France. Nous ne nous reconnaissons pas dans les institutions prétendant représenter les Juifs de France, qui, parlant au nom de tous les Juifs et Juifs du pays, assurent un franc soutien à l'État colonial d'Israël et relaient massivement sa propagande honteuse faisant passer un génocide pour une guerre juste. Le gouvernement israélien est en train de commettre un génocide sous le silence complice des gouvernements occidentaux. Il faut que cela cesse. Le gouvernement israélien détruit, expulse, massacre au nom des Juifs et Juifs du monde entier, au nom de leur sécurité. Il n'y aura pas de sécurité pour qui que ce soit, de paix réelle et durable, sans l'abandon d'une souveraineté juive entre la mer et le Jourdain, sans la réparation des torts commis à l'encontre du peuple palestinien, sans la réalisation du droit fondamental au retour des réfugiés. En une phrase, comme l'écrivait il y a déjà 50 ans l'intellectuel Nathan Weistock, sans la désionisation de l'État d'Israël et l'instauration d'un seul État démocratique, respectueux des droits de chacun et chacune, sans critères de religion ou d'origine. Pour y parvenir, il faut que toutes les forces d'émancipation dénoncent et combattent solidement le sionisme, qui, comme idéologie suprémaciste et coloniale, a conduit à la création d'un État de ségrégation, d'apartheid, de spoliation, d'expulsion. Bref, un État colonial cherchant depuis ses débuts et par tous les moyens à remplacer une population par une autre, à faire disparaître de son pays la population qu'il a colonisée, jusqu'au paroxysme du génocide actuel. Cette énième offensive israélienne à Rafah, cette nuit, sous des airs faussement humanitaires, est une nouvelle marque de la volonté de l'État d'Israël de faire fuir les Palestiniens et Palestiniennes de leurs propres terres, sinon de les déplacer de force. Jusqu'où cette folie meurtrière va aller? Il n'y a plus aucun lieu sûr en Palestine. Le sionisme a conduit à la fascisation de la politique israélienne et à la destruction du peuple palestinien. Nous refusons que ce génocide soit perpétré en notre nom. Si nous nous appelons Tzedek, c'est que ce mot justice signifie justice en hébreu. Et nous continuerons à lutter jusqu'à y arriver. De Dijon à Gaza, vive la résistance pour l'émancipation des peuples opprimés du monde entier. Vive la lutte du peuple palestinien. Bravo. Un appel de la CUCCC, la coordination universitaire contre la colonisation en Palestine. Une journée de mobilisation universitaire est prévue le 15 mai, jour de la commémoration de la Nakba. Stop à la complicité universitaire avec le génocide. Stop à la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien. Boycott universitaire d'Israël. Le génocide des Palestiniens en cours n'est autre que le prolongement du nettoyage ethnique, la Nakba, la catastrophe et 76 ans d'occupation, de colonisation, d'apartheid. C'est la volonté d'effacer l'identité, voire l'existence même des Palestiniens qui est à l'œuvre. La CUCCP est un réseau constitué de chercheurs, enseignants, cadres personnels et étudiants engagés contre la guerre génocidaire, appelle à amplifier et à poursuivre le mouvement de mobilisation universitaire historique qui se propage un peu partout dans le monde. À Dijon, dans la lignée des rassemblements hebdomadaires les samedis à 15h, et suite au succès de la mobilisation devant Sciences Po le 26 avril, nous appelons à cette journée de mobilisation au 15 mai sur l'esplanade Erasme à l'université à midi afin que nos universités mettent fin à leur silence, voire leur complicité active avec le génocide et le scolasticide en cours à Gaza et la colonisation en Palestine. Une telle situation ne peut pas voir la vie universitaire suivre son cours normal. Le génocide ne peut pas être ignoré. Nous exprimons notre plein soutien au peuple palestinien, à sa lutte ainsi qu'aux mobilisations à Sciences Po dans les universités d'Europe, des États-Unis, du monde arabe et d'ailleurs. Il n'y a plus d'université à Gaza. Il n'y aura pas de rentrée pour plus de 80 000 étudiants. Honte aux complices. À l'appel de l'UNEF, solidaire étudiant, jeune insoumis et avec le collectif P21, rendez-vous mercredi 15 mai, midi à Eras, devant l'université. Honte aux complices. Oui. Oh, complice!
De trêve que le Hamas a accepté, proposition qui repose en trois étapes de 42 jours chacune, comprenant libération progressive des otages israéliens, début des retour des déplacés, fin des opérations militaires et début d'un plan de reconstruction de Gaza entre 3 et 5 ans, le premier ministre israélien, dans sa folle logique de guerre, a décidé d'engager une offensive terrestre dans Rafah. Il balaye ainsi cette proposition de trêve, car selon lui, trop éloignée de ses demandes, alors qu'elle est pourtant le seul moyen de permettre la libération des otages israéliens, des prisonniers palestiniens et d'acheminer en sécurité l'aide humanitaire. Ignorant les manifestations en Israël pour la libération des otages, le gouvernement israélien a envoyé ses chars dans Rafah, prenant le poste frontière gazaoui vers l'Égypte, où sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens ayant fui les bombardements. Cette ville ne comprend que 275 000 personnes en temps normal. Depuis quelques jours, des tracts ont été largués sur Rafah, enjoignant la population à se déplacer une nouvelle fois vers des zones dites de sécurité au centre-ouest de Gaza. L'armée israélienne souhaite ainsi déplacer 100 000 civils vers Khan Younes, où tout a été détruit, mais selon l'armée, des tentes provisoires y ont été installées. Tout se passe dans une double réalité. D'un côté, un narratif israélien bien huilé, évacuation, zone humanitaire, déplacement progressif, appel à se rendre temporairement dans la zone humanitaire, diffusion de flyers, de SMS, appels téléphoniques, émissions en langue arabe. De l'autre côté, la dure réalité en images, et on comprend mieux pourquoi Al Jazeera a été interdit en Israël depuis quelques jours, qui dit tout autre chose. Sous une pluie battante, quelques effets entassés sur des carrioles, sur le toit de voitures, sur des dromadaires même, et des enfants, des femmes, des hommes qui marchent. Ils n'évacuent pas, ils fuient. Ils fuient la guerre. Ils sont déplacés de force. Les témoignages recueillis directement par téléphone, via les réseaux, parlent de panique, de peur, avec une question récurrente. Partir, mais où partir? C'est un reportage de Mediapart ce matin. De la même manière, en écoutant la radio, des Gazaouis disent: on n'a plus confiance en personne, surtout pas en l'armée israélienne. La prise de ce poste frontière et sa fermeture interdisent de fait toute sortie vers l'Égypte. Seul échappatoire pour des milliers de Gazaouis, s'ils peuvent payer le prix de passage entre 5 000 et 7 000 euros, mais interdit aussi l'entrée de l'aide humanitaire bien insuffisante. Avec la fermeture de l'autre point de passage qui s'appelle Kerem Shalom, cela signifie ni essence pour les quelques camions de livraison, ni essence pour toutes les entreprises et surtout pour celles qui dessalinisent l'eau, l'eau qui est une valeur, un produit particulièrement important pour tous et toutes à Gaza. L'UNRWA alerte, la famille s'aggravera si ces voies d'approvisionnement sont interrompues. Le massacre ne cesse pourtant d'augmenter en intensité et en douleur. Si vous l'avez vu, une pluie de bombes est tombée la nuit dernière. En général, quand il y a plus de bombes, ça appelle à une offensive le lendemain. Et pourtant, le quasi-mutisme complice d'une grande partie de la communauté internationale est là pour témoigner justement de cette complicité. Des voix américaines, européennes, d'ONG ont pourtant prévenu Israël qu'une telle opération se soldera par une catastrophe humanitaire et que ce pays sera comptable devant la justice internationale. Depuis la fin mars, la justice internationale, la Cour internationale de justice, a demandé fermement que tout soit fait pour que les génocides soient stoppés. Non seulement Israël n'a rien fait, mais engage une nouvelle opération militaire. Les autres États non plus n'ont rien fait ou si peu. Il est temps que le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, le gouvernement chinois, dont le président, vous le savez, est en visite en France, le gouvernement français prennent des mesures rapides afin de ne pas se rendre complice d'un génocide annoncé. Nous, membres du collectif 21 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, exhortons toutes les autorités politiques de notre pays et d'autres à tout faire pour stopper immédiatement la folie meurtrière du gouvernement israélien. On ne peut pas attendre une hypothétique trêve olympique dont vous avez entendu parler. L'appel à la paix est une obligation morale et politique dans ce contexte.
un message du cœur, un message d'humanité qui ne doit pas subir la répression comme en ce moment en France ou ailleurs, mais doit être le fondement d'actions urgentes. C'est maintenant qu'il faut agir, vite, très vite, par exemple, avec la cessation de toute vente d'armes à Israël, avec, par exemple, la suspension de tout accord commercial, culturel et économique, voire, pourquoi pas, au moyen d'un mandat d'arrêt international que la CPI a commencé à entreprendre, mais qui subit des pressions extraordinaires, d'après l'aveu même du procureur de cette cour. Il y a urgence. C'est notre humanité partagée qui se joue. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Égalité des droits, des massacres, on n'en veut pas. Égalité des droits, des massacres, on n'en veut pas.